m'appelle Kazim et je suis turc. Il y a à peu près 15 ans que nous sommes venus en Belgique. Comment ça s'est passé, votre venue en Belgique? Mais mon père, il était venu plus tôt que nous, à peu près 6 mois avant. Et quand il a trouvé que sa situation financière était assez bonne, alors il nous a fait venir aussi. Pourquoi avez-vous choisi la Belgique à ce moment-là? Mais il y avait beaucoup de facilité et il y a eu surtout une entente entre les deux gouvernements, la Belgique et la Turquie. C'était la Belgique qui demandait de la main-d'œuvre. Alors mon père, il est venu ici, il a trouvé tout de suite du travail. Nous sommes ici dans le, disons, dans ce qui est appelé plus ou moins le quartier turc. Enfin, il y a des Arabes, il y a des Turcs, il y a des Espagnols et tout ça. Et c'est un bon, une espèce de magasin grande surface. Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, qu'est-ce qu'ils achètent, ces gens-là, principalement? Ils ont du lait, de l'huile, du thé, du spa nature, du spa plutôt de l'eau, quoi. Spa reine. Et ils achètent beaucoup de thé, beaucoup d'huile et tout ça. Disons que je suis une des plus fortes pour vendre du thé et de l'huile dans tous les grands magasins. Et ils n'achètent pas d'alcool ou des choses comme ça? Très très peu. Très très peu. Ils sont sérieux enfin. Très sérieux ces gens-là. Enfin, disons les femmes. Est-ce qu'ils ont un grand pouvoir d'achat? Non. Non, très petit pouvoir d'achat, mais ils reviennent plusieurs fois par jour. Ah bon? Donc en fait, vous le voyez très souvent. Est-ce que vous en connaissez comme ça, ou bien est-ce qu'il y a un dialogue qui s'installe ou quoi, ou pas du tout? Disons que je le connais. Disons, je le connais de voir, hein, par le nombre d'années. Hein. Il y a longtemps que vous êtes dans le quartier? Moi, oui, 20. 20 ans. Et il y a longtemps que vous travaillez ici? Depuis à peu près 20 ans. Ça me plaît bien, la Belgique. On a beaucoup plus de facilité qu'en Turquie. Et comme on est venu très petit ici, on est plus belge que turc quand même. On est bien habitué et quand on va en vacances de temps en temps en Turquie, nous sommes étrangers en Turquie. Les Belges, ils sont très gentils, mais il faut se faire aimer aussi, hein, se faire comprendre. Et il y en a beaucoup de mes compatriotes qui essayent même pas de se faire réintégrer parmi les Belges. Alors, ce qui fait qu'il y a un rejet de la part des Belges vis-à-vis des étrangers. Mais bon, disons qu'actuellement, on constate de plus en plus, par exemple, ici nous sommes à Schaerbeek, enfin disons sur Schaerbeek et Saint-Just, que s'installe un véritable quartier turc. Parle-moi un peu de ce quartier turc. Mais le quartier turc à Bruxelles, ça se situe, comme vous dites, entre Saint-Just et Schaerbeek, surtout la chaussée de Haag et les rues avoisinantes. Étant donné qu'ils n'essayent pas beaucoup de s'intégrer parmi la population à Bruxelles, alors qu'est-ce qui se passe? Ils se regroupent tous. Alors il y a des cafés turcs qui s'ouvrent, des magasins, des blanchisseries, un peu de Des tout quoi, restaurants et tout. des restaurants. Bon, penses-tu qu'en fait ils ouvrent leur magasin parce qu'en fait ils étaient quand même rejetés peut-être dans les, disons, parmi les commerçants, chez les commerçants belges, disons, ils étaient peut-être moins bien servis ou autre, ou bien penses-tu que c'est vraiment pour organiser un commerce entre eux? Il y a de ça aussi, et en plus, étant donné qu'ils vendent beaucoup, ils peuvent acheter en plus gros que les petits commerçants belges. Alors ils vendent moins cher aussi, ce qui fait qu'ils gagnent des clients de partout. Penses-tu qu'ils s'organisent en, comment dirais-je, en communauté, disons, au point de vue pouvoir d'achat? Plusieurs magasins se regroupent pour acheter ensemble, ou bien ils sont plus ou moins individualistes à ce point de vue-là? Non, non, les commerçants turcs. Ils sont très individualistes et ils se font même la petite guerre des prix. Oui. Ils baissent le prix l'un à l'autre? Ils baissent les prix, oui, ils font de l'espionnage. S'ils voient par exemple un kilo de pommes à 30 francs, il va vite le faire à 29 ou 28, comme ça les clients voient qu'ils vendent moins cher. Et alors ça dure 2-3 semaines. Et alors la quatrième semaine, c'est lui qui devient le plus cher, et ainsi de suite. Thank you.
qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de M. Knowles, par exemple, concernant les étrangers, comme quoi ils étaient sales, disons. Enfin, mais sales, mais écoute, c'est les rues. Il y en a des propres là-dedans, mais il y en a des sales. Hein. Comme il y a des sales dans les Belges, et il y a des propres aussi. Hein. Pour moi, hein. Je suis régulière. Hein. Malheureusement, mon père, il est mort ici, et moi, j'étais encore étudiant en ce moment, et j'avais 11 ans. J'allais à l'Athénée Royale de Saint-Josse. Après 2 ans, comme ma mère trouvait qu'elle se sentait un peu seule, et vraiment seule ici parmi tous ces étrangers. Alors, elle a décidé que je devais me marier. Et elle m'a emmené en Turquie sans rien me dire, en disant qu'on allait en vacances pour nous changer un peu. Et là, elle a fait tout le nécessaire sans que je le sache et elle m'a marié avec une inconnue. On nous a enfermés dans une chambre jusqu'à quand on était mariés. Vous entendez enfermés dans une chambre jusqu'à quand on était mariés. Mais voilà, comme moi j'étais pas d'accord, hein, ils m'ont enfermé avec la fille, qui devait être ma future épouse. Hein. Et alors là, je devais montrer une preuve comme quoi j'étais marié. Tu veux dire qu'il y a eu consommation? Oui, c'est ça. T'as eu la preuve? Oui, ils ont. Sinon je pouvais pas sortir. Hein. Et comme je me rendais pas vraiment compte, vu mon jeune âge. Alors j'ai... Ça a été la plus grosse bêtise. Et vous êtes revenu en Belgique alors avec la mariée? Oui, on est revenu... Elle est venue 3-4 mois après moi. Parce que je devais faire d'abord les papiers nécessaires ici. Comme quoi, je m'étais marié. Pour que mon épouse puisse venir ici comme travailleur aussi. Comment expliquez-vous que les citoyens turcs, ainsi, enfin disons tous les étrangers en général, ont beaucoup d'enfants et ils ont l'air en plus en bonne santé? Non, je ne sais pas si c'est en bonne santé. Alors, vous êtes un médecin du quartier, je présume. Mais disons que ce sont des femmes qui sont âgées avant l'âge, quoi. Ce sont des femmes qui sont des reproductrices, qui ont des enfants, et c'est des filles, des femmes qui ont 30 ans, qui ont presque 50. Ah bon? Bon, je ne sais pas, je ne connais pas leur âge, mais enfin, bon, avoir le visage, ils ont quand même un visage assez frais quand même. Elles sont déjà des femmes âgées, quoi. Je ne sais pas comparer une Belge à un passager. Est-ce que vous trouvez bien, par exemple, que pour créer, disons, un climat favorable entre les Turcs et les Belges, que, par exemple, des Belges épousent des femmes turques ou bien que des Turcs épousent des femmes belges? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne sais pas si ça pourrait améliorer le climat ou les relations turco-belges ou belgo-turques. Ça, je n'en sais rien. Si des gens veulent épouser des Turcs, c'est leur problème. Ou si des Turcs veulent épouser des Belges, c'est leur problème aussi. Moi, ça ne me concerne pas. Madame, vous êtes belge. Vous habitez le quartier depuis longtemps? Depuis 13 ans. Je suis mariée avec un Turc. Et je suis très content. Ce sont vos enfants qui sont là à côté de vous? Oui. Comment est-ce qu'ils s'appellent? Lui s'appelle Erjan et la fille Alice. Ils vont à l'école? Tu vas à l'école? Oui. Tu es en quelle année? Première année. Et ça va à l'école? Oui. Tu t'amuses bien à l'école? Oui. Tu aimes bien y aller à l'école? Oui. Monsieur, pourquoi avez-vous épousé une Belge? C'est une question que je ne saurais pas vous répondre. C'est-à-dire, chez nous, on dit c'est l'écriture, c'est fait, je suis content. Quoi. Je ne regrette pas. C'est comme ça. Je travaille à l'hôtel Palace, qui est situé dans le centre de la ville. C'est un très bel hôtel. Et je travaille là comme concierge de nuit. C'est un travail à responsabilité? Oui, c'est toute la responsabilité de l'hôtel. La nuit. La nuit, oui. Tu penses que tu as eu donc droit à cette place par la qualité de ton travail et pas par, sans aucun problème de nationalité? Oui, c'est ce qui s'est passé en fait. Mais il y avait beaucoup de mes collègues qui étaient contre à ce que je devienne le responsable de nuit, c'est-à-dire concierge de nuit, hein, parce qu'ils trouvaient des prétextes tout à fait imbéciles. Ils étaient jaloux, quoi. Parce qu'eux, ils ne savaient pas le faire, et moi, je savais le faire, et ils trouvaient que c'était bizarre, ça, c'était louche. Qu'un étranger, il fait mieux qu'un Belge. Et actuellement, tu y es toujours, et en fait, ça va bien. Oui, maintenant, je suis toujours là, et je me plais bien. Vous êtes les enfants d'une boulangerie ici, située rue Josaphat, en face de la mosquée Blanche. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est exact que les Turcs font leur pain et vous l'apportent pour cuire? Oui, c'est exact. Et comment ça se passe? Ils apportent leurs plaques, on les prend en bas et on les met dans le four seulement. Combien vous leur demandez pour ça? 10 francs. C'est vraiment pas cher, hein? Non. Vous êtes vraiment reconverti à cette forme de boulangerie ou bien comment ça s'est passé? On fait ça pour eux.
Ils ont donc ils ont commencé à demander si on voulait bien cuire pour eux et c'est comme ça que ça a continué. C'est quoi les pains qui sont dans les paniers, madame? Ceci sont des pains turcs, les pains marocains, mais ceci je n'arrive jamais sur le mot parce qu'il y a les petits grains dessus. Ce sont des pains au cumin, je crois. Oui. C'est turc aussi. Oui. Et vous les faites vous-même? Oui. Quelle est la différence entre ces pains turcs et marocains et nos pains à nous? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence, mais c'est les gens qui l'imaginent qu'il y a une différence parce que c'est toute la même pâte. Mais ceci s'est roulé dans les machines à pain français, tandis que ceci, avant de mettre dans le four, c'est mis tout à fait plat. Et pour moi, il n'y a pas de différence. La pâte est exactement la même chose que le pain galette, pain carré, enfin tout. Et quand une turque vient chercher du pain et qu'il n'y a plus justement le fameux pain turc, est-ce qu'elle sait que le pain, l'autre pain, c'est exactement non, la même chose? Non, on leur dit pas. Non. Monsieur, vous êtes patron d'un café ici rue Josaphat, qui est probablement le dernier café, disons, belge ou bruxellois dans le quartier. Absolument, oui. Comment ça se passe? Mais très très bien. Ça, disons que c'est un peu le rendez-vous de tous les bruxellois. Et bon, en fait, il n'y a plus que les bruxellois qui viennent chez vous? En majorité, oui. Les autres ne veulent pas venir ou comment ça se passe? Ben disons que nous n'avons aucune animosité contre les autres, mais enfin nous essayons de les éviter dans la mesure du possible, tout en restant en très bon terme avec eux. Par exemple, quand ils viennent, comment est-ce que vous faites pour leur On leur explique gentiment que c'est un club privé, du fait que nous avons plusieurs activités, s'il y a des équipes de football, etc. Nous leur faisons comprendre gentiment que... Oui, j'étais déjà implanté là quand j'y suis arrivé moi-même en tant que Belge. Et pourquoi y êtes-vous allé alors? Ils ont que l'avantage que mes parents ne désiraient pas payer un loyer trop cher, nous sommes allés là. Ils ont c'était une belle petite maison que nous habitions. Donc vous pensez qu'en fait les loyers sont moins chers dans les quartiers où il y a des étrangers? C'est un fait. Ils sont des maisons à moitié délabrées que les propriétaires n'entretiennent plus. Donc en fait les propriétaires belges louent des maisons délabrées aux étrangers. Business is business. J'arrive ici en 1966. J'ai travaillé 7 ans pour mon père, et puis mon père il m'a mis à la porte sans l'argent. Alors j'ai ouvert ce magasin pour gagner la vie et j'ai 5 enfants. Ah oui, et ça marche bien? Et ça marche très bien pour le moment. Il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de clients. Il y a beaucoup de Turcs, il y a des Belges, il y a des Italiens, il y a des Grecs, il y a toutes les nationalités. Et tu te plais ici en Belgique? Oui, bien sûr. J'ai pas envie de retourner mon pays. Parce tellement que, tu te trouves bien ici. Parce que ici en Belgique, la vie est un peu chère, mais c'est tranquille. Voilà 38 ans que j'habite le quartier et jamais il ne s'est rien passé. Je n'ai jamais été attaqué par ces gens. Celui qui a des oreilles peut écouter ce que je dis. Je suis avec une Flamande. Hein. Sa mère, d'abord, la fille a menti à ses parents que j'étais français. Hein. Elle a dit que c'était français. Oui, parce qu'il m'appelle Franck. Alors, plus tard, comme elle s'entend mieux avec sa mère, elle a avoué que j'étais turc. Sa mère, elle n'a rien contre ça. Mais son père, elle est pur flamand. il veut pas voir ni étrangers, ni les gens qui parlent français, ni un français, ni un suisse qui parle français, ni rien. Hein. Il a une dent contre tout ça. Un raciste, quoi. Un vrai raciste, voilà, un pur flamand. Alors... Déjà, comme je suis français, ça allait. Et maintenant, si je me demande la tête qui va tirer, s'il me voit un jour à la télévision, suite au film, oui. Alors, il va dire, ah ben ton mec qui était français est devenu turc tout d'un coup. Ça va, mais je suis quand même parti, alors ça fait rien. Je suis bientôt parti. Puisque tu as été élevé pratiquement en Belgique depuis tes 3 ans, et maintenant que tu en as 22, est-ce qu'il t'arrive encore de temps en temps de retourner en Turquie? Oui, je retourne tous les années pratiquement pour mes vacances. Mais une fois arrivé là-bas, ils disent « Toi l'Européen, tu n'es pas d'ici, tu es nouveau. » Alors c'est drôle. Pourtant, je vais dans mon village où je suis né et tout, mais je suis considéré comme étranger. Alors étranger là-bas, étranger ici, qu'allons-nous devenir? Je ne sais pas. On n'est plus chez soi nulle part.